De là où l'on va, c'est du grand offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon lundi. Et bonjour, on commence la journée avec un temps qui est variable avec averse. Il fait frais, la température extérieure est à 15 degrés, la température de l'eau est elle à un petit 19 degrés. La marée est en train de descendre, le plein bas est à 8h40 avec des coefficients de 63. Sur cette descendante, le vent est offshore avec un secteur est-sud-est gentiment modéré, petit de Beaufort, plan d'eau ridé, face de vagues qui sont lisses, houle qui est propre. Pas parfaitement en ligne, mais quand même propre. Une houle longue de 11 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest. Une houle qui est à la hausse, un peu plus petite que ce que j'avais prévu pour le moment. Il y a un déferlement qui est régulier à la hauteur de 1 mètre à 1,20 m. Sur les séries, ça alterne entre 1 mètre 30 sur les séries qui rentrent fréquemment. Petit 1,50 m sur les grossettes, j'ai pas vu plus que ça. Il y a déjà des vagues qui sont surfables ce matin avec la marée qui est basse. Les bancs de sable ont un peu changé, mais ça active quand même les meilleurs bancs. Il y a des bouts à attraper, la zone de déferlement n'est pas hyper précise, la barre est facile à franchir, il y a de grandes accalmies, les vagues ne sont pas particulièrement sélectives. Il y a déjà des surfeurs qui checkent les conditions, mais je n'ai vu personne à l'eau pour le moment. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va nettement grossir, parce qu'à minuit, la bouée Arcachon-Gascogne était gentille dans les 2,6 m à la hausse, mais là, au dernier check, elle est nettement à la hausse à 3,10 m et 8 secondes, ça doit être son maximum. La houle va nettement grossir à la mi-journée, se maintenir ensuite. Le vent va se renforcer au sud à la mi-journée, basculant onshore et faiblissant cet après-midi. Ce qui nous donne en prévision à 9h 1,50 m, houle ouest à ouest, nord-ouest en seconde de période, vent est-sud-est à 2-3 Beaufort. À 13h, on devra avoir 2 mètres, houle ouest à ouest, nord-ouest en seconde de période, gâché par un vent au sud 4 à 5 Beaufort. Et à 17h, encore 2 mètres, houle ouest à ouest, nord-ouest en seconde de période, avec un vent qui revient à l'ouest et qui se calme à 2-3 Beaufort. Meilleur créneau ce matin, à surveiller ce soir. Prochain point, 7h50. Là où l'on